Cécile Berger, sa mère, et Benjamin, son frère, n'ont plus de nouvelles d'Antoine, 8 ans depuis 3 mois. Le père de l'enfant vit désormais en Belgique. Il n'a pas ramené Antoine à sa mère comme cela était convenu après une semaine de vacances. Moi, j'ai fait confiance. Il est parti avec le petit, mais il n'est jamais revenu. Une chose est claire, c'est que je vais tenir bon et je veux récupérer mon fils. Parce que d'autant plus que mon ex-mari a quitté la France. Donc moi, j'apprends après qu'en fait, son logement, il n'avait pas de logement. Il n'a pas de travail. Le couple est séparé depuis le début de l'année. Ce devait être une séparation à l'amiable. Mais à la dernière minute, le père a changé d'avis. Le divorce n'est pas prononcé. À ce jour, il a donc été compliqué pour la mère de porter plainte. On se rend bien compte qu'il y a une soustraction d'enfant là. On se rend bien compte que la mère n'est pas d'accord du tout avec ça et qu'elle n'arrive pas à avoir des nouvelles de son enfant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a saisi le procureur de la République de Niort, parce que la situation commence à devenir quand même un petit peu troublante. On est quand même à 3 mois d'absence, 3 mois d'aucune information. Pour une mère, c'est totalement inacceptable. Rien ne prouve qu'Antoine est scolarisé. Aucune demande de dossier n'a été émise par la Belgique à l'école qu'il fréquentait à Mauléon. On imagine surtout la détresse de cet enfant qui n'a pas de nouvelles de sa mère depuis 3 mois. Qu'est-ce qu'il peut se dire cet enfant? Il doit pas comprendre grand-chose. Et je ne parle pas de la fratrie. Le divorce sera théoriquement prononcé le 25 septembre prochain. Mais Cécile Berger espère, pour le bien de son fils, son équilibre, de ne pas avoir à attendre cette date pour qu'Antoine regagne la France et sa maison.